Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Merci infiniment pour tous vos messages, vos gentils messages de bienveillance, de soutien, de partage. On en a besoin en ce moment, les amis, on en a besoin. Ils sont en train de toucher la dernière chose qui pourrait nous faire tomber, les amis. Et je le dis vraiment avec sincérité. Ils touchent à tout, vous le savez, en ce moment. Ils touchent à notre santé, à notre liberté, à notre intégrité. Et là, ils essayent de nous atteindre et de faire en sorte qu'on n'ait plus d'espoir. Et ils espèrent, évidemment, qu'entre nous, tous les liens que l'on a tissés là, depuis ces derniers mois, ces dernières années, que ce soit en virtuel ou en réel, ils essayent de nous atteindre. Donc, il faut vraiment qu'on leur montre qu'on est des vrais résistants, les amis. On a tous nos problèmes, on a tous nos soucis, on a tous des obstacles à surmonter dans nos vies. On est tous différents déjà. On a tous des opinions et des visions complètement différentes. Mais est-ce que ça peut nous empêcher d'être soudés? Ok, parce qu'on veut tous la même chose. On veut juste vivre en paix, en fait. Vivre notre vie. Ne rendre de compte à personne. Ok, ne pas être considérés comme des plus faibles ou des plus forts, juste des êtres normaux. Et là, je le vois bien qu'en ce moment, ça fait quelque temps déjà, de toute façon, que je sens que dans l'air, l'ambiance, elle est pas pareille. Elle est plus pesante. Et c'est pas dû qu'à l'actualité. Je pense que c'est vraiment dû à vraiment ce qu'on peut ressentir par rapport les uns envers les autres. Et je trouve ça... Je trouve que ça me, franchement, ça me fait plus peur que de devoir me passer d'électricité pendant quelques temps, ou que de devoir me passer de faire un plein d'essence, ou que de devoir me passer même de sauter un repas, vous voyez. Je pense que la division spirituelle me fait plus peur que le reste, ok. Donc là, il faut qu'on leur montre, les amis, qu'on est là et qu'on tiendra et qu'on tiendra jusqu'au bout, et que non, on va pas se faire la guerre entre nous, s'il vous plaît, arrêtons ça de suite, ok. Voilà, c'était juste ma petite intro pour commencer. Je ne ferai référence à rien de particulier, évidemment, voilà, hein, pour éviter les grands débats et éviter de perdre notre énergie. Ce qui peut se passer sur les réseaux, ça se passe aussi dans la vraie vie de toute façon. Et donc voilà, c'est vraiment général, ok. Bon, en plus là, on va aborder un sujet. Pouf. Alors j'avais deux sujets, ben, ils étaient aussi forts l'un que l'autre, hein, mais bon. Mais là, je me sentais pas faire le sujet de la paix-philie parce que... Parce que voilà, j'ai trop d'émotions là en ce moment en moi. Et je me sentais pas vraiment... Je pense que si je faisais là maintenant ce sujet-là, aujourd'hui, je pense que je fondrais en larmes, et je veux pas fondre en larmes. D'accord? Pas du tout. En plus, regardez, la bougie là, elle est vraiment... bon, elle est presque finie, vous allez me dire. C'est peut-être normal, j'en sais rien. Je sais pas. Donc, je vais répondre à la question ici de Laurent, qui me demandait de faire un tirage sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors, bougie, t'es content? Elle en peut plus. Elle est ravie. Oh, ben oui. Donc, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, pour peut-être que certains ne savent pas. Alors, il faut remonter, évidemment, dans l'histoire, dans la Bible, etc. Donc, je ne vais pas faire un cours là-dessus, ok. Mais je vais vous dire... ce qu'ils représentent, ces cavaliers, ok. Donc ils sont quatre. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y en a trois cavaliers noirs et un blanc. En réalité, il y a bien un blanc, ok, il y a bien un noir, mais il y a aussi un rouge et un plus pâle, ok. Et tous ces cavaliers correspondent à quelque chose d'assez fort, puisque le cavalier noir, par exemple, il ressemblerait à la famine, il serait lié à la famine. Quand il arrive, la famine est là, est installée, ok. Le cavalier rouge, c'est la guerre. Le cavalier pâle, vert pâle, c'est la maladie ou la mort, ok. Et le cavalier blanc, c'est celui qui vient délivrer un petit peu tout ça, c'est la conquête, c'est la victoire, c'est le victorieux, ok. Donc je vais quand même rester sur les trois noirs et un blanc, comme me l'a écrit en commentaire
Laurent, hein. Et par contre, on va découper, on va aller voir un petit peu où est-ce que ça en est. J'ai pas de questions particulières parce que je trouve que c'est quand même assez vaste comme sujet, donc on va essayer d'aller voir. On va tirer les cartes, ok? On va tirer les cartes, on va voir lequel ressort en premier, ok? On va voir si c'est si c'est la guerre, la famine, la maladie ou la mort, hein, ou si c'est la conquête. Ok, on va aller voir ça avec les cartes. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, les amis. je sais pas. J'y réfléchis pourtant et j'arrive pas à me décider parce que c'est quand même assez particulier. Je ne sais même pas quel oracle je vais pouvoir prendre. Je vais peut-être faire un mix Béline, Triade et peut-être en fin de tirage Tao parce que j'ai envie de Tao en ce moment. Voilà, je l'ai repris hier ou ce matin, je sais plus. Et ce matin pour la guidance. Et en ce moment, il m'appelle. Cet oracle m'appelle. On a tiré beaucoup de spiritualité cette semaine et je pense que ça a un lien quand même pour que ce mot est revenu plusieurs fois dans les tirages. C'est qu'il faut qu'on. Vous voyez, c'est ça. Hein, faut qu'on fasse vraiment attention à ça. Ok, les amis? Bon, mais je sais toujours pas. Je vais passer des heures à regarder mes oracles, j'aurais toujours pas fait de tirage. Je vais prendre la triade. Je vais voir un petit peu comme ça. Je vais juste commencer en fait un tirage tout simple, ok, avec la triade. Je vais essayer de poser les énergies. Je vais enlever mes chaussures. Je vais essayer de poser les énergies des cavaliers et on va voir un petit peu ce que la triade nous sort, ok. Et après, on va adapter, on va avancer petit à petit par rapport au message reçu. Est-ce que ça vous va comme ça? Allez, je mets ça derrière. Et c'est parti. Alors la triade, on parle des quatre cavaliers. Le cavalier de la guerre, le cavalier de la famine, le cavalier de la maladie ou de la mort et le cavalier de la conquête, de la victoire, de la lumière. Ok? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ah, il y en a une qui est bien sautée. Ah, c'est marrant, j'ai la carte de la bénédiction, hein? Ah, c'est drôle. Ok. Ok, bon, vous retenez la bénédiction. On va voir si. Donc, on parle des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors, il faut savoir que l'Apocalypse, ça ne veut pas dire quelque chose qui. Il me semble, hein, mais vous me le direz en commentaire. J'ai plus en tête, évidemment, l'étymologie, mais l'Apocalypse, selon la Bible, hein, c'est pas la guerre en fait. C'est quelque chose qui se reconstruit. Hein. Il y a un truc comme ça. Bon, j'ai oublié. Vous me connaissez maintenant, mais c'est quelque chose comme ça. Allez, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai droit de dire les mots. Ok, j'en ai aucune idée. J'aime pas faire quatre. Mais en même temps, quatre, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quatre, cinq, tu dis quoi? Elle dit, je reste dessus. 4. Moi, ça fait 4 les 4 cavaliers. Ouais, ok. Ok, allez. Et j'ai encore la carte de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que ça me dit là en parlant des 4 cavaliers de l'Apocalypse? Il y a quelque chose comme. Alors, la science là. Alors, excusez-moi, mais. Je vais essayer de trouver les bons mots. La science, là, ça ne m'appelle pas à quelque chose de fabriqué. Vous voyez, c'est pas, je ne peux pas vous dire. On pourrait croire que ces quatre cavaliers, c'est juste de la fiction, que ça n'existe pas, que c'est scientifiquement, ça n'a pas été prouvé. Ok? Parce qu'en plus, sur cette carte, vous avez vu, j'ai philosophie, j'ai astronomie, alchimie. Mais ça me dit pas non plus, ça me dit pas que ça a été fabriqué par l'homme scientifiquement. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Je vous ai dit, j'allais trouver les bons mots, mais j'arrive pas à les trouver. C'est pas des hologrammes, vous voyez, c'est pas quelque chose qui a à voir avec ça. C'est dans les écrits, hein, parce que je vois ça dans l'astronomie, il y a de l'alchimie. C'est pas quelque chose de fabriqué non plus. Ah, je sais pas comment l'expliquer, les amis. Oh là là, ouais, j'ai trop de. J'ai trop d'émotions, je suis trop dans l'émotion aujourd'hui. Donc le tirage va être peut-être qu'il vaudra rien, j'en sais rien, je sais pas. Bon, on va y revenir après. Je vais attendre que ça se remette dans l'ordre.
Ici à la méditation, ben, ça m'appelle ici un petit peu à la prière, hein, surtout qu'après j'ai la carte de l'ordre, j'ai la carte un petit peu aussi du divin. Ils attendent l'ordre. Ok, ils sont sous les ordres aussi, d'accord? On me dit qu'on peut les voir en prière, qu'on peut les appeler en prière. Et j'ai encore ici la carte de la bénédiction. C'est presque si on nous autorisait à les appeler, en fait. Nous. Ok, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais évidemment, si on est du bon côté, on ne va pas appeler les quatre, on est d'accord. Mais peut-être que pour appeler le cheval blanc, il faut d'abord que les noirs soient passés. Vous comprenez la logique ou pas? Je pense, hein, je ne sais pas. Moi, je me dis que c'est marrant. C'est le bien, le mal, de toute façon, ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. On est d'accord là-dessus, c'est l'équilibre. D'accord? C'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Vous pouvez regarder n'importe où, c'est comme ça. Okay? Le bien, le mal, le travers, le droit. Ça ne peut pas marcher l'un sans l'autre. Okay? Donc je pense pour moi que le cheval blanc, ce merveilleux cheval blanc, qui représente la reconstruction, la paix, la victoire, qu'est-ce qu'il ferait si les trois autres ne sont pas passés? Ok? Donc là, c'est vrai qu'on peut se dire, mais attends, on est en situation de conflit, d'accord? On est en situation, on va dire, de famine, ok, si vous voulez, parce que on est en ce moment, on a du mal à acheter de la nourriture, on nous affame un petit peu, on veut transformer les aliments, et puis il y a dans le monde des endroits où la famine est déjà installée depuis un certain temps, donc on peut dire que celui-là, ce chevalier-là, ce cavalier-là est bien en place, ok, et on a ce dernier chevalier qui est la maladie. Qui passe là en ce moment, qui est là, qui est installé depuis quelques années. Donc effectivement, il resterait plus que ce cheval blanc à appeler. On peut le voir comme ça et on peut se dire, faisons des prières pour que ce cheval blanc arrive et soyons bénis de cet appel. Ok, on peut le voir comme ça. Prions pour qu'il arrive, pour lui ordonner de venir. Cette carte-là, j'arrive toujours pas, hein, à la cerner. Avec la science, bah c'est la science. Hein. C'est ça. Ok, est-ce que tu peux nous dire donner plus de précision? On va voir. On va voir. Pour l'instant, j'ai pas. Pour l'instant, alors, si vous voulez, pour l'instant, je dirais que je ne vois que le cheval blanc. Okay. J'ai pas ici pour l'instant les autres cavaliers. Je vois juste cette bénédiction d'appeler ce cheval en étant sûr que les trois autres soient passés. Parce que si on l'appelle mais que les trois autres ne sont pas passés, ne sont pas installés, ça sert à rien. Pour moi, hein, ça c'est mon avis. C'est un peu les messages que je reçois aussi, mais c'est aussi, j'adhère au message que je reçois là pour le coup. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire, mais là, c'est plus clair dans ma tête. Ok? Donc ça sert à rien de l'appeler si les trois autres ne sont pas passés. Ok? Énergie, nécessité, silence. Oh. Et puis j'ai la main stop. Hein. Je fais comme ça. Hein. Stop, silence. Ne dis plus rien, Angèle. Énergie encore, les amis. On parle pas des ampoules. Hein. On ne parle pas de la lumière du frigo, là. On est d'accord. Hein. Là, c'est vraiment notre énergie. C'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire, hein. Je vous le disais juste en début de tirage. Hein. Il est quand même assez fort ce tirage. Hein. Je ressens beaucoup de choses hein, maintenant. Hein. Énergie, science. Méditation, énergie. Ça peut aussi vouloir appeler justement à réouvrir les livres. Ok? Parce que c'est le mot philosophie depuis tout à l'heure qui m'attire dans cette carte. Ok? Tout à l'heure, elle n'était pas recouverte, mais c'était quand même ce mot-là. Philosophie qui m'attire. C'est une certaine philosophie. C'est une certaine façon de voir les choses, façon d'appréhender les choses. Ok? Et ce mot-là m'attire depuis tout à l'heure. Donc je me demande si ce n'est pas le mot le plus important de cette carte. Et peut-être qu'elle nous appelle à réouvrir
certains livres, aller chercher dans des auteurs, dans des philosophes, voir lequel a peut-être écrit quelque chose là-dessus et qui pourrait nous permettre de comprendre le cheminement et peut-être du coup de faire appel à ce cheval blanc. Pour moi, on en est là. L'énergie, c'est la nôtre aussi. Okay. Énergie aussi pour méditer, hein, pour se recharger en énergie, okay, pour pouvoir prier plus efficacement et recevoir la bénédiction du divin, de la personne en qui vous croyez, ça n'a pas d'importance, mais j'ai quand même aussi ce côté-là, je reviens parce que j'ai les messages qui arrivent du côté de la carte, du côté gauche. Il faut passer outre on me dit même si c'est peu importe que ce soit les cavaliers noirs de l'apocalypse ou autre chose, on me parle de mythes, on est en train de me parler de mythes, pas les mythes hein, qu'on va trouver dans la farine ok, mais les, voilà, les mythes avec le Y et il faut même passer outre ça, on est en train de me dire. On va lire des choses qui viennent de la mythologie, d'un mythe, il faut quand même aller jusqu'au bout de ça. En fait, ça n'a même plus d'importance. On est en train de me dire que ça n'a plus d'importance. Ce qui est, c'est peut-être ça aussi la science. Ce qui est prouvé, ce qui n'est pas prouvé, ça n'a plus d'importance. Il faut y croire, il faut méditer, il faut prier, il faut appeler. Il faut se taire. Faut pas le dire. Enfin, on se le dit à nous, hein, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de se recharger. Il faut que nos énergies soient encore plus hautes que ce qu'elle est en ce moment. Surtout qu'en ce moment, je trouve que ça baisse. Hein. Je sais pas chez vous, mais je peux pas terminer ça sans encore deux autres cartes, deux, trois autres cartes même. Ok, la triade, on me dit silence. Je vais respecter. Si je vois quelque chose, il ne faut pas que je dise, je ne le dirai pas. Bon, ok. Regardez. Est-ce que vous comprenez? Je suis sûre que vous pouvez très bien interpréter ce qui vient de sortir. C'est évident. Ça va avec ce que par rapport au message d'avant, silence, ne dites rien. Pourquoi? Parce que les messages risquent d'attirer la foudre de Dieu. Dieu ne sera pas content. Le divin, votre Dieu, peu importe, ok? La personne vers qui vous envoyez vos prières, d'accord? Ça va attirer sa foudre. Ça va attirer sa colère. Et la colère en plus va le blesser, mais vraiment l'affaiblir aussi, ok? Et c'est pas bon. Donc silence, mes amis. On va quand même reposer une question. Alors, plus par rapport à ça, je pense que là, on était sur le blanc. On était sur la façon de faire, de comment on appelle le cavalier blanc, ok? En tout cas, c'est ça. On peut dire que c'est en cours. Je mélange. Je veux plus que les énergies, elles soient... Vous avez eu le temps de voir et de comprendre, ok? Alors, je ne brouillerai pas les énergies, elles sont déjà en place. C'est juste pour pas que... les mauvaises, elles viennent me les prendre. D'accord? Je vais quand même poser des questions sur les trois autres. Ok, là, on a le droit sur les trois autres. On m'a rien dit, là. Là, j'ai vu le blanc et dès que j'ai dit que je pense que c'est le blanc, le silence est sorti. D'accord? Je le prends comme ça. Donc là, on va faire sur le noir. Je ne vais pas reprendre les mêmes cartes. Je vais les laisser tranquilles. Je ne veux pas que... Du coup, si on a parlé de ce cavalier blanc, je veux pas parler avec les mêmes cartes de ces cavaliers noirs. Parce que si les énergies se mélangent, ça va pas aller. Allez. Béline, on est en train de faire une petite enquête sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Avec ton ami la triade, il nous a envoyé un message sur le cavalier blanc. Du moins une base. Hein. Je pense qu'il y a. On peut, on peut.
On a plus besoin de voir les cartes, mais on peut travailler ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de voir. On essaye de le garder en mémoire et on essaye de vraiment le garder en mémoire. D'accord? Et là, avec toi, on aimerait savoir où est-ce qu'en sont les énergies. Je vais faire un tirage que je n'ai jamais fait et qui n'existe pas. Ça, vous avez l'habitude. Ok? Je vais faire une triple croix, mes amis. Une triple croix. Jamais j'ai fait ça de ma vie. Ici, c'est les trois cavaliers. On va les nommer. Ici, les trois obstacles qu'ils vont rencontrer. Ici, les trois situations. J'ai jamais fait ça, hein. Je sais même pas si avec trois. J'ai jamais fait ça, hein. Et je vais en mettre qu'une ici. Parce que sinon, ça fait beaucoup de cartes, non? Je sais pas ce que je suis en train de faire. Que se passe-t-il? On va dire que celui-là, c'est on va prendre par le premier. Et le premier, depuis ces quelques années, ça a été laquelle, d'après vous? Pour moi, ça a été la maladie. Okay? Avec le coco, etc., etc. Il y en a bien eu d'autres avant. Hein? On est d'accord que ces histoires-là, c'est pas juste là. Hein? Mais on va prendre là. Donc le premier ici, le premier ici. Premier ici et premier ici, d'accord? Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai eu le temps de voir. Regardez, j'ai dit que c'était la maladie. Ok? Elle est là. Elle est là et elle est bien là. Et puis ça se fait plaisir, hein? Oh bah oui, la trahison, ouais, ouais, c'est pas grave. La trahison, c'est l'ensemble, hein? On est bien là, hein, les amis, hein? Tout ça, c'est de la trahison, que ce soit de la maladie, que ce soit ensuite, on va partir sur la famine, on va dire, l'inflation et la guerre. Ok? Regardez, mes amis. Elle est là. Elle est arrivée, elle est passée, elle est installée. Ça va peut-être aussi faire en sorte de bien poser le tirage qu'on a fait juste avant, lorsque j'ai dit, ou lorsque les messages ont dit que les trois autres, qu'on devait appeler le cavalier blanc, une fois que les trois autres étaient passés. La maladie, elle est passée, elle est là, elle est bien installée et pour l'instant, elle ne bougera pas. D'accord? Cette peur, cette maladie, etc. La mort aussi, etc. En l'occurrence, j'ai tiré la maladie. Ok. En ce moment, ils sont comment? Ils sont comme ça. Cette énergie-là, elle est enflammée. C'est la passion. Elle se régale. Là, c'est juste. Pour elle, incroyable. Ça fait longtemps qu'elle voulait vraiment sortir, ok? Parce que ça fait longtemps déjà qu'elle est plus ou moins prête, ok? Maintenant, elle sort, ça y est, elle est posée et c'est mondial, ok? Et là, les cœurs sont enflammés. Ça fait un peu penser à une histoire d'enfer, ok? En plus, on est aussi sur la mort. Donc là, pour elle, c'est le top. Hein. Pour elle, c'est le top. Hein. J'ai cette clé-là, la clé, ça ouvre quelque chose, c'est la destinée, c'est la solution. Donc, en fait, elle est, regardez, ça, c'est le compte, c'est son obstacle. Hein. C'est pas notre obstacle à nous, hein. C'est l'obstacle de ce cavalier qui est noir ou vert pâle, hein, qui peut être vert pâle. Vous savez, ça fait un petit peu la connotation à quand on est malade, ok? Ici, donc en fait, qu'est-ce qui est contre le fait qu'elle soit encore plus enflammée, plus passionnée, c'est ça. La clé, qui c'est qui a la clé? Qui c'est qui a la clé? Ben, c'est nous qu'on a la clé. Moi, je l'ai là. Ça fait très longtemps que je me suis fait ce tatouage. Et j'ai jamais su pourquoi j'avais fait ce tatouage, à mes amis. Enfin, ce symbole-là, mais enfin, c'est comme ça. Je vous le montre. Il n'y a pas longtemps, lors d'un tirage, on m'a dit montre-le, montre-le. J'ai dit non, je ne le montrerai pas, c'est pas le moment. C'est le moment, les amis. Ok? Je ne suis pas le cavalier blanc. Cette clé-là, ce n'est pas parce que moi je l'ai là que vous ne l'avez pas, d'accord? Donc c'est nous, ça. On est son obstacle, ok?
Elle prend beaucoup de plaisir, hein, quand même, beaucoup de plaisir parce qu'il y a de la trahison, il y a des flammes, il y a du feu, etc., etc. Ok, donc elle est installée. Donc il y en a un déjà qui est passé. On a dit que si tout s'était passé, on pouvait appeler. Pourquoi j'en ai mis que une là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis, j'ai fait quoi? J'ai fait n'importe quoi. Allez, donc on a dit que ça c'était en premier sur ces dernières années la maladie. Ensuite, on va parler de la famine, ok? On va parler de la famine parce que c'est à peu près par rapport à l'inflation, aux restrictions, etc., ce qui est arrivé après la maladie. Ok? Ça c'est elle en ce moment. Et en plus, regardez, hop, j'ai quand même une fleur, hein. J'ai quand même une fleur, j'ai quand même quelque chose qui pousse. Ça peut représenter évidemment l'alimentation, la nourriture, etc. Donc en ce moment, ce cavalier noir qui représente la famine, et voilà, hein, il y a même la couronne, c'est vraiment, c'est génial. Vous avez vu que de leur côté, là, j'ai quand même des cartes qui sont assez particulières, hein. Ok, c'est quand même assez particulier, hein. Donc ici, j'ai le... Oh mince. J'ai Vénus ici, donc dans l'émotion ici, ça touche aussi notre intérieur, hein, vraiment l'intérieur de nous. Ici avec la carte, c'est oh, c'est Jupiter, ok. Là, on est dans l'expansion, l'expansion de la famine, bah, évidemment. Qu'est-ce qui est contre? Oh, c'est magnifique, les amis. Ça, c'est l'obstacle, ok. L'obstacle, ça, c'est le divin. Donc c'est installé, mais ils n'ont pas gagné, là, ni elle, ni lui. Ça, c'est nous. Ça, c'est le divin. Ok? La situation. On est en prison, hein? Et puis là, on a les... là, c'est un petit peu l'enfermement. Aussi dans lequel on est, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller dans les magasins acheter de la nourriture parce que ça devient cher. On est dans la restriction. Je parlais de restriction tout à l'heure. C'est la restriction ici. Hein? C'est une certaine forme aussi de liberté, la liberté de se nourrir. D'accord? On a ici l'eau. Et pour moi, l'eau, à chaque fois, cette carte, elle me fait penser au commerce, aux échanges. Okay? Donc là, on est pile poil. Les amis, ce tirage, je ne sais pas la dernière, qu'est-ce que ça va donner. C'est juste pile, pour moi, c'est juste pile poil. Vous me direz ce que vous en pensez. Oh, j'en ai des frissons jusque dans les pieds. Oh, puis jusque dans le dos. Allez. Et toi, bougie, qu'est-ce que tu dis? Elle dit rien. Tu dis rien? Ça va pas? T'as l'air? Elle est posée. Donc les énergies, elles sont bonnes, là, les amis. Ouais, c'est là. Ça, c'est compte. Ça, c'est nous. C'est nous et le divin ici. Nos prières, nos croyances, notre force, notre espoir, notre tout ce que vous voulez, on est là, on est contre eux. Ok? Et ça, c'est génial. On fait le dernier. On a dit que c'était donc celle qui arrive là, qui est en ce moment un petit peu sur toutes les bouches, sur tous les écrans partout, la guerre. Regardez. J'invente rien, c'est comme ça. Pour l'instant, ils sont dans l'élévation, d'accord? Mais attention, l'échelle, elle est en bas. Hein. Okay, pour qu'ils puissent monter là-haut, il va falloir qu'ils aient assez de force. On peut dire, si on veut, ou en tout cas assez d'énergie pour mettre cette échelle sur cette pyramide et monter au sommet. Pour l'instant, pour moi, ils sont là. Ok? Qu'est-ce qu'il y a en face d'eux? Ben, regardez. Celle-là, je l'ai attribuée à qui la dernière fois? À Poupou. Ok? Alors, c'est pas lui que lui, mais qui est-ce qui est en face, qui est contre ça? Qui est-ce qui s'élève contre eux? Ben, c'est pas les plus puissants, c'est nous ça aussi les amis, c'est tous les gens qui sont éveillés, tous les gens qui ont le savoir, tous les gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent la vérité, c'est les livres, c'est tout ça, c'est magnifique, vraiment. Alors ces trois cartes-là, c'est magnifique. Ben, regardez, ça c'est la famille. Regardez, alors on aurait pu aussi l'associer un petit peu à la famille, on aurait à la famine. Mais là, c'est la famille. On est en train de parler de guerre, de conflit. Ok? La situation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les familles qui en souffrent. C'est les familles qui sont les victimes de tout ça. Ok? Ici, on était dans les restrictions. Ici, on a la maladie. Ce tirage est magnifique, merveilleux.
Alors par contre là j'ai la carte de la réussite, mais j'ai toujours j'ai la carte de la réussite ici. C'est-à-dire que peut-être de tous les plans, c'est celle-là, on va dire, qui ira jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on va se reprendre des trucs sur la tête. On parle de deux. Hein? On remet la situation sain dans la situation actuelle, les amis. D'accord? On ne part pas dans des délires pas possibles. On sait que de toute façon, que c'est en cours. Hein? On l'invente pas. On l'invente pas. Mais et c'est une réussite parce que. Parce qu'ils ont ce chevalier noir de la guerre, ce cavalier noir de la guerre, il a bien instauré ce qu'il voulait, d'accord? Donc ça, c'est la réponse. C'est une réussite par rapport à ça, ok? Mais la synthèse de tout ce tirage, c'est la trahison, d'accord? Donc ils vont tomber. Je suis comme ça, moi, je suis comme ça, c'est direct. Ils vont tomber, regardez tout ce qu'il y a de ce côté-là. Là, c'est la situation, c'est les événements. On y est là-dedans aussi, hein? On est là-dedans aussi, mais pas parce qu'on est représenté par les familles, ou parce qu'on est quelque part privé de nos libertés, privé de se nourrir, ni qu'on est malade. On a tout ça, d'accord? On est leur obstacle, on est les personnes intelligentes, fortes, héroïques, dignes, droits. Et pour ça, ils n'y arrivent pas. Donc oui, ils sont tous là. Les cavaliers noirs sont là. Donc il est temps de faire le tirage d'avant, d'accord? Mais on n'en parlera plus. Ok, on n'en parlera plus. Je vous ai dit aussi, je ne sais plus quand, ça va arriver, l'aide, quand ça doit arriver. Ok, on va y être pour quelque chose, ça c'est certain. On ne va pas attendre comme ça, comme des la bouche ouverte, et puis attendre qu'on vienne nous donner à manger, ou nous battre, ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais on va être acteur de ça. On doit être acteur de ça, d'accord? On ne doit pas rester à rien faire non plus. Voilà. Enfin, ouais, ça n'empêche pas qu'on n'est pas obligé d'aller dans les rues ou d'aller. Voilà. Hein? On peut très bien le faire de chez nous. C'est très bien aussi. L'énergie, 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 la spiritualité. Ça paraît bête comme ça, mais il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. En ce moment, nos énergies baissent et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas que parce que c'est l'hiver. C'est parce que c'est l'hiver, mais je pense qu'il y a autre chose derrière. Et il faut qu'on se relève de ça. Ok? Il faut que ça, ici, ça brille. Une fois que ça ira, on va pouvoir faire ce qu'on doit faire. Ok? Je suis trop contente de ce tirage. Merci beaucoup, Laurent. Vraiment, j'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de poser plus de questions. Tout est là. Tout est là. On va faire un oracle sans question, juste oracle des anges, oracle de Gaïa, d'accord? Juste comme ça, pour savoir s'ils ont quelque chose à nous dire, un message à nous donner, quelque chose qui peut nous faire aller un petit peu mieux, parce que je sais qu'en ce moment, on ne va pas tous très très bien, d'accord? On va y arriver, hein? C'est normal qu'on ait ces petits coups de baisse, hein? C'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, hein? Donc c'est normal. Mais il faut pas. Là, c'est hyper intéressant, hein, parce qu'ici, j'ai vraiment Vénus, j'ai vraiment les sentiments ici. Hein. Et ici, comme ça, j'ai pas mal de sentiments et d'émotions. Hein. L'eau, c'est le départ aussi. Hein. Ça peut être le départ. Mais vu que là, on parle de famine, moi, ça me fait aussi penser au commerce, aux échanges commerciaux, vous voyez? Bah, on y est, hein, c'est ça. Hein. Ils prennent du plaisir au niveau de la maladie, voilà, ils négocient bien aussi au niveau de la nourriture et c'est une réussite. Donc pour eux, le plan, il est installé. Okay? C'est installé. Leur plan est installé. C'est une réussite pour eux. C'est installé. Mais ils ne sont pas allés au bout parce qu'on est là pour leur bloquer la route. Je ne me lasserai pas de regarder ce tirage, mes amis. Franchement. Combien j'ai de cartes? 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh punaise, j'en ai 13. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. 13, ben c'est comme ça, hein. Moi, j'ai la scène. Écoutez, j'ai la scène. Et j'ai Judas en plein milieu. Je le vois comme ça. Je ne connais pas la place de chacun. Mais ça serait super intéressant d'ailleurs si quelqu'un pouvait le faire. Vous pouvez faire sur pause là.
faites sur pause. Regardez, je reste comme ça. Et puis essayez, si vous avez envie de le faire, en tout cas, ça me ferait plaisir que quelqu'un le fasse. Essayez de voir la place de chacun, vous savez, par rapport au tableau de la scène avec Jésus, etc. Et au centre, Judas. Chacun pensera ce qu'il veut hein, de chaque personnage, c'est pas le problème. Mais je trouve ça intéressant du coup, que je suis en train de parler de l'Apocalypse, que j'ai fait un tirage que je n'ai jamais fait, je suis sûre qu'il n'existe même pas, et qu'au final j'en ai 13 et qu'au milieu j'ai la trahison. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, j'aime bien, vraiment. Je vais vous laisser les amis, parce que je vais contempler le tableau pendant des heures. Non. Bon, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. On a quand même eu la carte là-bas de silence, donc on va respecter, on va pas aller fouiller trop loin non plus. Je pense qu'on a de super bonnes réponses. Je pense que les messages, ils étaient super bien aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, d'accord? Nous sommes la clé. Nous sommes ici avec le divin, avec l'univers. Nous sommes des êtres intelligents et c'est ça qui les bloque, ok? Ça va s'éteindre, ça va partir, hop, ok? Finito. Je vous embrasse très fort, mes amis, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi, c'est important. Et ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas manipuler. Croyez en vous, déjà. Avant de croire à ce que certaines personnes peuvent dire ou peuvent ou croire certaines personnes font, voilà, faites-vous confiance, ok, et travaillez votre instinct, travaillez vos ressentis. À demain pour une guidance et puis c'est vendredi. Ah ben il y a la guidance générale et puis il y aura un petit bonus. Je sais pas lequel, on verra. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.